Oui. Très bien. OK, d'accord. Christelle voulait ajouter quelque chose à son propos tout à l'heure. Très bien, très belle analyse, d'accord? Ça permet effectivement d'avoir à prendre des décisions sur le maintien, d'accord, ou non, de certains articles en entreprise, d'accord? Ça permet d'analyser, et on l'a dit, le premier enjeu, c'est que la bonne gestion des offres va nous permettre d'optimiser notre rentabilité. OK? Ça veut dire que l'entreprise, elle est faite pour gagner, pour produire de la richesse. Donc, si vous, plus vous gérez, mieux vous gérez votre histoire, mieux vous assurez la rentabilité de l'entreprise. N'oubliez jamais que les stocks, quand tu parles de stock, parle d'achat. Hein? Tu parles de stock, parle d'achat. Tu parles d'achat, parle de charge. C'est ça que l'on comprend. Donc, si les stocks sont mal gérés, on a des risques d'affroissement des achats, des charges. Et si les charges s'affroissent, le résultat, la rentabilité de l'entreprise diminue. OK? Donc, ce sera le premier enjeu. D'accord? Mais il y a un enjeu. Elle entretient une bonne relation clientèle. Une entreprise vit parce qu'elle accroît son portefeuille clientèle, parce qu'elle fidélise ses clients. Et l'une des façons de fidéliser les clients, c'est de leur assurer un service de qualité. D'accord? Donc, le gestionnaire de stock, vous êtes peut-être en back-office, mais vous avez un rôle hyper important et prépondérant dans la gestion globale de l'entreprise. La bonne gestion des stocks va donc assurer